Mais pour commencer, je vais déjà te demander de faire. Que nous on dit que le salaire minimum doit être au moins au niveau, il ne doit pas être en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il a été établi, c'est moins de 60% du salaire médian d'un pays. Donc pour nous, ça voudrait dire 2380 euros brut. Ça, c'est une mesure phare. Et puis notre mesure, c'est celle de la réduction du temps de travail à 32 heures à l'horizon de 2030, c'est-à-dire... Oui, cette question de la compétitivité, c'est un serpent de mer qui revient à chaque fois et qui est toujours posé par le patronat. Parce que si on voulait être compétitif, ben, on abolit toutes les lois sociales, on fait travailler les gens 12 heures par jour. On peut même réintroduire le travail des enfants tant qu'on y est. Hein. Alors là, on sera super compétitif.